Nouveau live sur FIFA 22. Je commence la ligue de BKT. Donc du coup voilà, je vais vous présenter ma composition d'équipe. Donc voilà, là c'est normal que ça fasse ça, mais voilà quoi, j'ai bonne équipe. J'ai racheté Moukoko du Borussia Dortmund. Franchement, il est au top. Très puissant, il peut monter jusqu'à 88 ou 89. Voilà. Donc, tac. Lui, pour la, je le ferai jouer pour les coupes. Du coup, voilà. Et on va le remplacer par ici. Hop. Hop, voilà. Du coup, voilà. Ok, lui non. Lui, oui. Bien sûr, les amis, je prends des joueurs jeunes pour les faire progresser. Hop, voilà, transfert fait. Felipe, never been concerned about the he say, she say. Look at my bigger cause you see it's my B-day. Every day, all day, but I do not eat cake and I do not see hate. Stink meaner, my j'ai oublié de faire quelque chose. Mix it up with my Alexa. Overlook. Merci pour votre patience et nous allons passer aux questions. Le titre est-il envisageable? Allez-vous acheter de nouveaux joueurs ici de la fin du mercato? On a une équipe complète. Eh bien, c'est terminé. Merci à vous.
Salut à tous, bienvenue pour cette rencontre qui va se jouer sous la pluie. Les deux équipes vont devoir faire avec. Alors vous avez peut-être reconnu ma voix. Je ne suis pas rapide, je suis Hervé Mathieu. Ignoré. C'est aujourd'hui la reprise du championnat de Ligue 2 BKT avec ces deux équipes. Amiens contre la JOCR. C'est un moment bien sûr d'excitation. La reprise du championnat. Tout le monde est plein d'espoir. Benet. Moussamba qui frappe et qui le poteau. Rémi Dugimon. Allez, il a de la place dans le couloir. Il essaye de trouver la faille. Récupérer ce ballon. Oh, génial! Quel arrêt génial! Le réflexe à bout portant. Un corner joué en deux temps. Il faut trouver l'ouverture. Sur du score, le premier but dans cette partie qui commence très bien. Voilà le score qui est donc ouvert 1-0. Attention, ça peut être dangereux. Mauvais tacle, l'arbitre qui laisse jouer. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Ouais, la frappe. Ah, c'est une grosse occasion ratée. Mais on va dire que c'est une occasion. Ça prouve qu'il n'est pas trop tard, qu'il est encore possible d'égaliser. Rémi Dugimon. Virama Touré. J'arrive les amis. Thank you.
Ouais, re les amis, désolé du temps que j'ai passé, on m'avait appelé. Du coup, let's go. Gaëtan Charbonnier, il s'avance vers la surface. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ah oui, le tir. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel. Corner qui est joué court. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et la tête, mais qui ne sera pas plus dangereuse que ça. C'était pas assez appuyé. La voie est libre. Ah, la passe en profondeur, attention. Allez, c'est le moment de faire parler le jeu de tête. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Et la tête, mais pas de souci hein, dans les buts. Ça manquait de conviction. La passe est interceptée. Salut Scar. Elle est en passée précise cette passe. J'ai pas le temps en ce moment. Ouais, elle tacle glissé. Gaëtan Charbonnier. Il cherche des solutions là. Oh, c'est dangereux. Oh, le tacle glissé. Attention au pénalty. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ce centre qui trouve finalement un joueur adverse. On va peut-être assister à une contre-attaque. Et la contre-attaque qui se poursuit. Il centre au second poteau. Un mauvais dégagement là, attention. Chercher une ouverture bien sûr. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ah oui, le bon ballon là. La frappe qui est bien partie. C'est au-dessus de la transversale. Et Dignaoré. Il est en train de remonter le terrain. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, place là pour une contre-attaque. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Essaye de trouver la faille. Centre finalement qui est récupéré par la défense. Et le ballon qui change de camp. Rémi Dugimon. Gaëtan Charbonnier. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ah, c'est une faute, bien sûr, logiquement signalée par l'arbitre. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Le ballon récupéré sur cette intervention. Rémi Dugimon. Oui, ça s'est donné comme il faut. On cherche la faille dans la défense adverse. Et le corner. Allez, pour faire le break, pourquoi pas. Ah, il est bien parti ce corner. Allez, voyons ce qu'il peut faire. Voyons ce qu'il peut faire d'intéressant. Est-ce ce ballon qui traîne?
Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Ils ont continué à progresser. Attention, c'est dans le paquet. Et le but, ils égalisent. Let's go, Tolou. Non, on voit les images de la contre-attaque et la bonne impulsion pour propulser ce ballon dans le but de la tête. Voilà, la fin des 45 premières minutes, le score qui est de 1 partout. Il a fait une bonne première période, bon match pour l'instant. Alors, ce sera distingué avec cette égalisation juste avant le repos. Il fait partie des joueurs qui font refuser la défaite aujourd'hui et qui, pourquoi pas, peuvent mener à la victoire. Attendez. Tolu, il est pas rapide du tout. 83, 76. C'est reparti pour 45 minutes. Birama Touré, Rémi Dugimon. Alors il semblerait que le score ait évolué sur le match de Niort. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, il s'agit du premier but en faveur de Niort. 1-0 donc, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Merci infiniment. Oh, il faut l'arrêter. Oh là, le tir. Bon, attention, c'est pas fini. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. On revoit le but au ralenti. La bonne première intervention du gardien. Mais bon, ça n'a pas suivi derrière et il ne peut rien faire sur le deuxième ballon. Il mène à la marque désormais 2-1. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Attention, il peut centrer là. 1-2. Ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Allez, petite combinaison sur ce corner. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Une passe directement à l'adversaire. Dans l'actualité des transferts, il y a bien sûr la signature de ce futur crack qui s'est donc engagé avec Leicester City. Une transaction qui a mis fin donc à une longue période de prospection, de supervision. Et c'est vrai qu'on peut comprendre avec ses qualités. Allez, oui, il va y aller. Oh. Et le but, encore un, et ils prennent un petit peu plus large. Et le score qui est maintenant de 3-1. Progresse vers le but, ça n'ira pas plus loin. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ça n'étonnera personne de constater que l'équipe visiteuse monopolise le ballon. Il va s'offrir un duel avec le gardien.